Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Yosanta. Amen. Je veux te louer, mon Dieu. Amen. À chaque jour, à chaque heure. Amen. Sois élevé, mon sang. Oh, Yosanta. Tu m'as révélé ce matin. Amen. C'est te dire combien je t'aime. Amen. Sois élevé, mon sang. Oh,
D'avoir rendu possible ces moments. Merci pour ta présence, toi le Dieu fidèle. Il est écrit, quand on s'accorde en ton nom, tu es là. Nous bénissons ta sainte présence et nous te disons merci pour ton amour que tu n'arrêtes jamais de manifester à chaque fois que nous avons besoin de toi. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que seul ton Seigneur soit béni et glorifié à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Par rapport à ma version, moi je suis dans Ésaïe 8, 23, mais la plupart des versions, c'est Ésaïe 9, le premier verset. Je reprends. Dans ma version, c'est Ésaïe 8 au 23, mais la plupart des versions, c'est Ésaïe 9, le premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Un instant, s'il vous plaît. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Notre deuxième lecture, nous tirons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 14. Je lis, il est écrit, « Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Dans la parole, Jésus dit, « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-les-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri de cette heure-là. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent, « En particulier, et nous, pourquoi n'avons-nous pu les chasser ?»
Il leur dit, à cause de la pauvreté de votre foi, car en vérité, je vous l'ai dit, je vous déclare, si un jour vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, et y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis, les jarres des démons ne peuvent s'en aller sinon par la prière et les jeûnes. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Et je prends comme thème de mon message ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Je tire ce thème par rapport au thème de l'année qui est dans Matthieu 6, verset 10, où il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alléluia. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que 2023 sera différent de 2022. Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Alléluia. Si Dieu a inspiré qu'on parle sous le règne de Dieu et que la volonté de Dieu puisse se manifester, c'est parce que quand vous lisez dans la Bible, toute la Bible, il y a des promesses de Dieu. Et par rapport aux promesses de Dieu, la Bible dit ceci, les promesses faites à Abraham par Dieu ont vu leur accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour dire à quelqu'un que toi et moi, nous sommes dans le temps de l'accomplissement, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui ont étudié dans la profondeur la Bible, ils disent qu'il y a plus de 3650 promesses dans la Bible. Donc c'est pour nous dire que parmi les promesses faites par Dieu dans l'ensemble, selon la Bible, il y a une promesse où Dieu te donne ce matin en te disant plutôt que les ténèbres ne vont pas continuer à régner dans ta vie. Alléluia. Je veux que cela reste marqué en toi, que tu comprennes que c'est parmi l'une des promesses de Dieu faites pour toi. Et par rapport à cette église, c'est cette promesse qui va s'accomplir cette année en 2023, que le ténèbre ne va pas continuer à régner. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça? Au lieu que le ténèbre continue à régner, cette fois-ci, ça sera le règne de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu vient régner, bien-aimé, il y a trois choses qui arrivent par rapport au royaume du ténèbre. La première chose qui va arriver, ça sera l'anéantissement du diable. La deuxième chose, ça sera l'anéantissement du péché. La troisième chose, ça sera l'anéantissement de la mort. Et ce matin, la bonne nouvelle, place nous au coufé kotaki, coufé kotika place na bomoi. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va régner. Donc, quand on parle du règne de Dieu, on parle sous la victoire de Jésus sur le diable, la victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus sur la mort. Et ce que j'aime, la victoire de Jésus sur la mort, c'est la résurrection. Donc, une personne va croire que cette année, oh, il y a un nyo se koufaki, et on sait quoi. Alléluia. Et ce que j'aime, dans ce verset, on dit que le temps des ténèbres va s'arrêter. Le temps d'angoisse va s'arrêter. Le temps de tristesse va s'arrêter. Mais la souffrance ne va pas s'arrêter. Il y aura de temps en temps la souffrance. Mais à chaque souffrance, il y a toujours une réponse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le ténèbre ne va pas continuer à régner. Et j'ai compris une chose, selon Romains chapitre 9, le verset 17, où Dieu, par la bouche de Paul, fait une déclaration. Il dit, « Et toi, Pharaon, je t'ai suscité à dessein, afin que ma puissance se manifeste en toi et que ma renommée soit répandue. » Pharaon, c'est celui-là qui refusait que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. Pharaon, c'est celui-là qui a gardé les enfants de Dieu dans la servitude. Pharaon, c'est celui-là qui le faisait souffrir.
Pharaon, c'est celui qui les a imposé la souffrance. Mais écoutez, Dieu dit ceci, je t'ai suscité à dessein, afin que ma puissance se manifeste en toi et que ma renommée soit répandue. Le ténèbre que tu es tenté de voir là, c'est Dieu qui veut que le ténèbre soit là, pour que quand Dieu va éclairer, que tu comprennes que c'est Dieu qui est la lumière du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour la Bible déclare, alors que cet homme connaissait Jésus, connaissait les disciples de Jésus, là je suis déjà dans Matthieu 17, il va s'amener à Jésus pour dire, « Maître, j'ai amené mon fils qui est ballotté de gauche à droite. Mon fils, c'est un lunatique. Il a une maladie qui est liée à la lune. Donc, à chaque apparition de la lune, mon fils est ballotté de gauche à droite, dans le feu comme dans l'eau. Mais je l'ai amené chez les disciples. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pu sauver mon fils. » Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de cet enfant, il y avait le règne. Mais quel règne? Le règne de la mort. Le règne du diable. Et c'était quelque chose qui se répétait chaque fois. Alors il a dit, bon, je les amène, j'amène cet enfant chez le disciple. Sûrement, il y a quelque chose qui va arriver. Mais voilà que les disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas su arrêter le règne de la mort. Les menaces ont continué dans la vie. Et il s'est dit, non, non, j'arrête avec les disciples. Il va voir leur maître qui est Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, une fois que l'enfant a mené à Jésus, Jésus entend ce papa en train de parler. Finalement, il va gronder les disciples jusqu'à quand je serai avec vous. Jusqu'à quand je vais vous supporter. Alléluia. Alors voilà que Jésus va chasser cet esprit. Une fois que l'esprit a été chassé, les disciples maintenant viennent voir le Seigneur. Il dit, mais pourquoi nous avons échoué? Pourquoi nous avons manqué ce pouvoir-là? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? J'aime bien Jésus. Sa réponse, c'est la première clé si tu veux que le ténèbre s'arrête dans ta vie. Alléluia. Il va leur dire ceci. Non, si ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la puissance. Si ça n'a pas marché, c'est tout simplement à cause de la pauvreté de votre foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai compris ce passage, j'ai compris une chose. Si j'ai échoué, si ça n'a pas marché, si je suis incapable quelque part, si les choses n'ont pas tourné, si la difficulté continue, si la souffrance continue dans ma vie, ce n'est pas parce que je manque le moyen, c'est tout simplement parce que je n'ai pas la foi. Alléluia. Là, j'ai compris pourquoi Esaïe a dit, venez acheter même sans argent. La foi, c'est la monnaie céleste. Celui qui a la foi ne va pas échouer. C'est pourquoi dans la conclusion de ce texte, Jésus va leur dire, si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Alléluia. Tu veux que l'impossible devienne possible. Il faut avoir la foi, maman. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va leur dire, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi, la montagne va obéir. Oh, j'ai compris pourquoi ce jour-là, quand ils étaient dans la barque, alors qu'il y a eu la tempête, quand ils se sont levés, ils ont commencé à dire, nous allons mourir. Seigneur, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. On est en train de partir. Ils ont réveillé le Seigneur. Quand le Seigneur s'est réveillé, la première des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Et sa réaction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la tempête, tais-toi. Alléluia. Celui qui a la foi peut éteindre le feu qui est allumé. Celui qui a la foi va imposer silence à toute situation. Et la bonne nouvelle, tu dois savoir, derrière chaque situation,
derrière chaque souffrance, il y a un esprit. Et ces esprits-là doivent fléchir devant le nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut avoir la foi. C'est cette confiance-là que tu as en Dieu. C'est cette confiance-là qui se repose sur les promesses de Dieu. Dans le premier culte, je fais une illustration. Je veux revenir sur ça, mais sans poser les actes. Imaginez-vous que tu es sur une voie. Après la prière, tu as prié Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dieu te dit que je t'ai donné l'argent. Et tu termines la prière en sortant. Le chemin faisant, tu croises sur le chemin une liasse de francs congolais, une enveloppe kaki et une autre enveloppe simple. Qu'est-ce qui va se passer dès que tu vois l'argent? Qu'est-ce que tu vas prendre en premier lieu? L'argent ou l'enveloppe? Alléluia! Tu vas prendre l'argent parce que c'est ça que tu vois. Et tu vas laisser l'enveloppe. Or, Paul a vécu une expérience. Paul nous dit ceci. Nous ne marchons pas selon la vie. Nous marchons selon la foi. Celui qui marche selon la foi, c'est celui qui est à la suite de Dieu. C'est celui qui compte sur les yeux de Dieu. Lui, il a les yeux fermés. Alléluia. C'est Dieu qui voit. Toi, tu fermes les yeux. Tu comptes sur les yeux de Dieu. Parce que quand Dieu voit, il ne voit pas comme toi, tu es en train de voir. Mais si tu veux voir comme Dieu est en train de voir, tu dois fermer tes yeux, c'est-à-dire compter sur Dieu. Voilà que cet homme va ramasser liasse de francs congolais qu'il va mettre dans sa poche. Or, il y avait deux enveloppes qu'il a laissées. Quand on regarde dans les deux enveloppes, il y avait aussi de l'argent. Alléluia. Mais comme ça ne se voyait pas, l'homme a laissé ça. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Si nous continuons à marcher selon la vie, nous allons prendre les choses que nous voyons. Mais si nous marchons selon la foi, nous allons prendre les choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir la victoire, il faut avoir la foi. C'est cette confiance-là que tu donnes à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible, son nom c'est Pierre. Nous connaissons tous cette histoire. Cet homme, c'était un pêcheur chevronné. Il était habitué à pêcher. Il avait la connaissance. Il savait que ça marche très bien pendant la nuit. Pendant la journée, ça ne marche jamais. Alors que ce jour-là, il a travaillé la nuit. Ça n'a pas marché. Les choses se sont compliquées. Il était sur le point de rentrer le matin à la maison. Ce qui est vrai, ce jour-là, il rentrait bredouille. Il y a un homme qui s'est présenté, son nom c'est Jésus. Il va lui demander de s'éloigner tout peu du lac. Et Jésus est dans la barque avec lui. Jésus a parlé. Mais ce que j'aime avec cet homme de Pierre, c'est-à-dire que quoi qu'il avait échoué, le matin il avait le filet pour rentrer. Mais Pierre, en lavant le filet, il était toujours resté dans la barque. Ne quitte jamais la barque parce que Jésus viendra te visiter. Et quand Jésus termine, il va lui demander de s'éloigner, d'avancer dans les eaux profondes. Frères et sœurs, Jésus n'a pas quitté la barque. Ils étaient ensemble avec Jésus dans la barque. Ils ont avancé ensemble avec Jésus. Et une fois là, dans la profondeur, Jésus dit, jette le filet. Avance et jette le filet. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez la réponse de Pierre. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Frère, tout ce qu'on fait selon la parole marche toujours. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un verset célèbre que nous aimons tous, Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et il écrasera nos ennemis. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu parle, ça n'a jamais été un son vide. C'est une réalité opérante qui va s'accomplir et personne ne peut arrêter quand Dieu a déjà parlé.
Et j'ai compris une chose dans la Bible, que la promesse de Dieu, qui est définie comme un engagement, c'est une décision de Dieu. Et Dieu, pour nous donner le caractère inchangeable de sa promesse, Dieu intervient par un serment. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, tu as des promesses avec serment de la part de Dieu? Et le serment, la Bible déclare, c'est mettre fin à la discussion, à tout ce qui est de contestation. Donc, tel que je suis là, Zamba, ça, c'est une discussion, on n'a pas ce qu'il m'a fait la promesse avec serment. Laissez-les continuer à discuter. Laissez-les continuer à parler. Mais ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, malgré le temps qui est en train d'avancer, mais laisse-moi te dire, le temps est en train d'avancer, le temps est en train de passer, mais il y a aussi un temps que Dieu a fixé. Quand le temps fixé par Dieu va arriver, la promesse va s'accomplir. Alléluia. Ça, j'aime mon Dieu. Un jour, alors qu'il était en train de marcher, il était avec le disciple. Il va parler sur quelque chose. Le disciple est en train d'admirer le bâtiment du temple en disant, oh, c'est beau, c'est grand, c'est solide. Et il va dire, écoutez, détruisez dans 3 jours, je veux rebâtir. Alléluia. Dans 3 jours, je vais rebâtir. D'où est-ce qu'il tirait cette force-là, Jésus? Il tirait ça par rapport à une promesse faite par Dieu. Par la bouche de David, Dieu avait parlé. Il ne permettra pas que son saint puisse vivre la corruption. Et il ne va jamais abandonner son saint dans les séjours des morts. Jésus était en train de parler sur la résurrection. Et quand il a été crucifié, alors qu'il est à la croix, on le fait descendre par les disciples et on l'amène dans le sépulcre. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés voir le Pilate pour dire, non, non, on doit descendre son corps. Après, les pharisiens aussi sont venus voir Pilate pour dire, non, écoutez, nous nous souvenons d'une chose. Cet imposteur avait déclaré que 3 jours après, il allait revenir à la vie. Alléluia. Et j'ouvre une parenthèse pour te dire, ma ennemi, il n'oublie jamais ma promesse. Il n'a pas de promesse. Il n'a pas de promesse. Il dit, mais alors on fait quoi? Il dit, non, non, donnez-nous les militaires de peur que ses disciples viennent voler le corps et qui disent qu'il est ressuscité. Alléluia. Nzambe va s'organiser en tant que Nzambe pour qu'il l'obanaye et kokisama. Je suis venu te dire, malgré les dispositions prises par tes ennemis, ils seront surpris de voir que la parole s'est accomplie. Malgré la garantie qu'ils ont des militaires, malgré qu'ils ont scellé, malgré qu'il y a une pierre qui est devant, cette prison-là, ce matin, va s'accomplir parce que ce n'est pas avec toi que Dieu va inaugurer les mensonges. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que j'aime avec mon Dieu, ils ont placé des policiers pour empêcher qu'on vienne voler. Ils étaient là en train d'attendre. Le premier jour, rien ne s'est passé parce que le premier jour, Dieu n'avait rien prévu, pasteur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, sois calme. Tu es encore au premier jour. Dieu n'a encore rien prévu. Le deuxième jour, rien ne s'est passé parce que Dieu n'avait rien prévu. Mais le troisième jour, alléluia. Qui croit que cette année a bandit le troisième jour? Alléluia. Si tu crois que c'est toi, que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire ceci. Là où il y a la foi, il y a 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la révélation. C'est-à-dire quoi, pasteur? Tu dois avoir la révélation de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Alléluia. Plus nous voyons ce que les sorciers sont en train de faire, nous oublions que notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Quand tu as la révélation de Dieu, tu dois avoir maintenant la promesse de Dieu.
Quand tu as la promesse de Dieu, sache-le qu'à chaque promesse, il y a le serment de Dieu. Et Jésus était conscient de ça. C'est comme ça qu'il était à l'aise de dire, détruisez, je veux rebâtir. Frère, la confession de la foi précède la possession. Si tu veux posséder, commence par confesser. Mais tu vas confesser quoi? La foi, c'est ce que Dieu t'a dit. La chose qui nous trouble beaucoup, c'est quoi? C'est la réalité. C'est-à-dire que je suis devant une réalité, pasteur. Je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver? Et quand les choses contraires m'arrivent, je commence à pleurer. Dieu, ce n'est pas ce que toi tu m'avais dit. Oh, je me souviens de cet homme de David qui avait reçu une promesse de la part de Dieu. L'ennemi ne te surprendra jamais. Mais voilà qu'un jour, l'ennemi a surpris David. Là, je suis dans 1 Samuel chapitre 30. Où ils sont venus alors que lui était parti en guerre. Voilà que quand ils sont venus, ils ont rasé le village. Ils ont pris tout le monde comme prisonniers. On les a amenés. Quand David rentre avec les 200 personnes, les gens qui l'accompagnaient, qu'est-ce qu'ils vont constater? Que le village était en feu. Il n'y avait rien. La Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer jusqu'à manquer la force. Frère, ce qui te fait pleurer, c'est la réalité. Ils ont pleuré, ils ont manqué la force. Et ceux qui étaient avec lui, ils ont même décidé de les tuer. Mais qu'est-ce qui faisait pleurer David? C'est tout simplement parce que Dieu lui avait promis, l'ennemi ne te surprendra pas. Mais voilà qu'il a vécu maintenant une expérience où l'ennemi l'a surpris. Frère et dans le Seigneur, j'aime Dieu. Ces jours-là, après avoir pleuré, il s'est décidé maintenant de consulter Dieu. La Bible dit qu'il a eu foi dans son Dieu. Il est allé voir Dieu. Est-ce que je dois le poursuivre? Est-ce que je peux le rattraper? Est-ce que il s'arrête là. Mais j'aime la réponse de Dieu. Dieu lui dit, poursuis. Tu vas rattraper et puis tu vas tout récupérer. Ceux qui ont la foi ne perdent jamais. Alléluia. Ceux qui ont la foi ne perdent jamais. Ce que j'aime, ils sont partis 3 jours avant. Quand David a fini de pleurer, quand il les a poursuivis, il les a rattrapés et c'est David qui les a surpris. La promesse s'est accomplie. Frère, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le problème, c'est toi et moi. Et j'aime dans ce texte, Jésus va dire, ça cause la pauvreté de votre foi. Et puis il va ajouter un deuxième élément. Il va leur dire, non, écoutez, ce genre de situation, ce genre de problème, c'est possible que ça parte, que par le jeûne et à la foi, il faut associer la prière. Alléluia. À la foi, il faut associer la prière. Il y a des choses, il y a les ténèbres qui vont s'arrêter parce que tu as la foi. Mais voilà que tu as la foi, les ténèbres continuent à régner. Il te révèle ce matin, la deuxième clé, c'est la prière. Alléluia. Et ça, j'ai beaucoup aimé, frères et sœurs de la Seigneur, le problème de la démonstration de la puissance ou de la visitation de Dieu dans ta vie commence d'abord par la foi. Si tu ne vois pas la foi, c'est la prière. Et la prière, c'est ta responsabilité. Dieu te responsabilise de prier. Alléluia. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité à toi, la prière. Et je peux aller même plus loin. C'est la responsabilité de l'Église. C'est pourquoi dans l'Église, il faut aimer cette Église parce que chaque mois, vous avez 3 jours. Alléluia, de jeûne et prière. Combien participent à ce moment-là? Alléluia. Surtout quand on ajoute les jeûnes, on ne vient pas. Il y a même d'autres qui sont têtus, alliés, mais haillés. Alléluia. Au Saline. Alléluia. Non, pas ça. L'essentiel que le pasteur à Moningazan a liste à noter que Nazaki est présent. Ce n'est pas le feu d'être présent qui va changer quelque chose. C'est le fait d'être obéissant qui va changer quelque chose. Alléluia. Vous savez, Dieu est en train de me parler sur beaucoup de choses. Il ne m'a pas donné au premier culte.
accepter que j'aille comme ça. Vous savez, tous tels que nous sommes là, en commençant par le pasteur, tous nous cherchons l'élévation, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pasteur? Est-ce qu'on saute une élévation? Et tu sais que ce que tu as vu jusque-là n'est rien par rapport à ce que Dieu te réserve. Mais vous savez que l'élévation a des ailes pour te permettre de monter. L'obéissance et l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas aller plus loin. L'obéissance et l'humilité. Quand vous regardez très bien le mot foi, F-O-I, n'est-ce pas? Fermeté, obéissance, intégrité. Tu vas aller plus loin avec Dieu, ça va marcher. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière, c'est notre responsabilité. Et j'ai compris une chose avec Dieu. Pourquoi nous devons prier? Ce qui nous amène à prier, c'est ce qui nous est arrivé. Nous prions pour ce qui nous est arrivé. Jabed a prié pour ce qui est arrivé dans sa vie. L'église était calme quand on a arrêté Jacques. Et Jacques a été tué. Là, il dit que Hérode a trouvé que le pharisien, il se plaisait de voir ces choses. On a ordonné qu'on arrête aussi Pierre. Il a dit que Pierre était en prison. Mais cette fois-ci, pasteur, l'église s'est réveillée. Église, réveillez-vous. Quand tu vas prier, tu vas déprogrammer tout ce qui a été programmé par les diables. Les diables à ténèbres qu'on s'arrêtait. La responsabilité de la prière, c'est notre responsabilité. La Bible dit, l'église n'a pas cessé de prier pour Pierre. Frère, quand l'église a prié, ce qui était un rêve pour Pierre est devenu une réalité. Tu veux que tes rêves deviennent une réalité, il faut prier. Ce que j'aime, quand ils ont prié, le ciel s'est ouvert. L'ange est descendu dans la prison. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, Pierre dormait dans la prison. Quand l'ange est entré, pasteur, tu sais ce que l'ange a fait? Il a donné un coup. Mais qu'est-ce qui a fait dormir Pierre? C'était le coup du diable. Dieu aussi, pour te réveiller, va aussi te donner un coup. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand il est sorti, il est sorti avec tout. Parce que quand le ténèbre vient régner dans ta vie, il détruit aussi tout. Il a récupéré les sandales, il a récupéré les habits, il a récupéré la ceinture et il est sorti. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière fera que même les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir devant toi. Est-ce que savez-vous que cette porte-là, la dernière porte de la prison, pasteur, les historiens disent ceci, cette porte-là, pour qu'on puisse ouvrir ça, il faut 25 personnes. La deuxième chose, quand on ouvrait cette porte-là, le bruit que ça faisait, quand tu es à 1 kilomètre, tu entends qu'il va te fondre la porte. Mais Moukolowan, quand Zamba fondre la qui, même la sentinelle, il y a qui dit, si tu es na prière, il y a année où il y a la porte est fondre, mais là, et que ma mounion se base à la qui dit, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, l'église a prié et la bonne nouvelle que j'aimerais nous annoncer, tu dois arrêter de prier quand la réponse a frappé à ta porte. Ceux qui étaient dans la maison de maman de Marc, ils ont arrêté de prier quand Pierre a frappé à la porte. Qu'est-ce qui te fait arrêter de prier? C'est la réponse ou l'échec? Ils ont prié. Ils ont arrêté de prier quand Pierre a frappé. Frère, là j'aime bien, quand la dame qui était dans l'équipe, qui est en train de prier, quand il a entendu qu'on est en train de frapper à la porte, il est sorti, il est venu, il a entendu à la porte, il a reconnu la voix. Quand il est rentré, ce qui est en train de prier, il dit que c'est Pierre. Mais non, non, ce n'est pas lui, c'est un fantôme. C'est-à-dire que les réponses de Dieu, même c'est ce qui fait la différence par rapport à ma réponse. Et ce matin, c'est ce qui va t'arriver.
C'est pourquoi j'aime bien dire au moninga lelo au kamwenga lobi. Lobi oyoka qui nazana prison mais tant on a bimi aux okamwa. Et c'est que j'aime avec Dieu pasteur. Quand c'est arrivé, il attendait qu'il puisse comparaître. Mais il a quitté la prison. Procès Salama na boutou. Oh, tous nous savons que procès Salama na moi. Dieu est capable d'organiser procès et na moi et na boutou. Oh, il y a un zamba qui organise on a quatre boutou. Pourtant, on va remonter dans Tongo, bas au Kamo, Ezayo, tout Ezayoté. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, le jeûne. La prière et le jeûne. Le problème de la prière, c'est le problème personnel. Quand tu sens que tu as prié seul, et tu vois que ça ne bouge pas, ça c'est le moment-là que tu vas demander au pasteur de te soutenir. Mais beaucoup de gens, malheureusement, ils vont voir le pasteur, prie pour moi, Yemurozo Sambelate. Pasteur, tu exposes le problème, lui comme il a été établi, il a le discernement, il va te dire, tu vois les Kamonaeux, ton compte a 2 jours, 3 jours, na gêne, ton Sambela. Mais ce n'est pas à toi de dire, pasteur, gêné pour Nangaï. Non, non. Toujours gêné, Ngaï, Nayo. Parce que moi, je reçois une capacité supérieure par rapport à Nayo. Et ça, le gola, Jeep, il y a 4x4. Je vais renforcer quand tu es embourbé, afin que tu puisses sortir. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, le ténèbre régnait dans la vie de cet enfant. Et le papa avait l'information. Ce qui nous tue aussi, des fois, c'est ça. Nous manquons l'information. Mais quand tu as l'information, tu as déjà la solution. Il avait l'information que Jésus est capable. Est-ce que tu connais Jésus? Tu sais de quoi Jésus est capable? Mais plus nous sommes informés sur nous qui sommes capables à telle ou telle chose, nous ignorons ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, Jésus, il est la solution. Il est la lumière du monde. Quand lui vient, le règne de ténèbres s'arrête. Quand lui se présente, les ténèbres s'éloignent. Quand lui se présente, le diable devient incapable. Quand lui se présente, le péché qui dominait en toi, parce que le péché est une puissance, cesse de dominer dans ta vie. Quand lui vient, la mort cesse. C'est la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'un jour, dans une île qu'on appelle Malte, Paul, ils ont fait naufrage. Leur bateau a connu des problèmes. Ils se sont retrouvés dans cette île-là. Une fois qu'ils sont arrivés, quelque chose va se passer. Paul va chercher des broussailles. Quand il va jeter ça dans le feu, qu'est-ce qui va arriver? Allez! Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Il y a une vipère, il y a un serpent qui est sorti. Quand tout le monde a vu que le serpent était attaché à sa main, ils ont commencé à parler. Celui-ci, c'est un meurtrier. C'est fini pour lui. Bientôt, il va tomber subitement. Asuka! Bientôt là, c'est fini pour lui. Ou soit il va être enflé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce matin, arrête d'écouter ce que les hommes sont tentés de dire par rapport à ce qui est tenté d'arriver dans ta vie. Alléluia. Arrête. Vous savez, quand les choses compliquées nous arrivent, quand la souffrance arrive, les hommes, ils ont leur manière de voir, ils ont un jugement sur toi. Mais très souvent, nous sommes dérangés par ce jugement-là. Baloba kinangaï. Alléluia. Baloba kinangaï. J'ouvre une parenthèse pour dire à une personne. Quand on a raconté, pasteur, que non, Joseph a voulu sortir avec la femme de Potiphar, combien de personnes étaient informées que cette chose n'était pas vraie? Le premier qui était informé que ce n'était pas vrai, Joseph. La deuxième personne qui savait que ce n'était pas vrai, la dame. La troisième personne qui savait que ce n'était pas vrai, les diables. Quatrième, Dieu lui-même. Mais le reste des gens, Moutoua Kindumba,
Mutuyaboye. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? Quand Dieu te révèle, même l'enfer est informé, pasteur, que Dieu va faire telle chose avec toi. Mais quand Dieu commence à faire, il ne commence pas avec les choses qu'il t'a révélées, il commence avec les choses qu'il t'a cachées. Alléluia. Le lieu de l'accomplissement de la promesse n'était pas révélé. Le chemin par lequel tu devais passer n'était pas révélé. Le temps que ça devait prendre n'était pas révélé. Pourquoi? Parce que si il y a des choses qui travaillent pour ton bien, il y a aussi les diables. Tu sais, le diable est tellement méchant, quand il décide de te détruire, il calcule très bien. Et tout ce qu'il fait, c'est pour que ça s'arrête pour toi. Mais il ne sait pas. Comme Joseph plus tard lui-même va dire, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a fait quoi? C'est pourquoi quand tu es dans des difficultés, arrête de pleurer. Dieu est au contrôle. Dieu est en train de gérer les choses. Même si le monde dit ce qu'ils sont tentés de dire là, ça c'est eux, mais bientôt ils vont changer de langage. Frère, Dieu va commencer avec les choses qu'il ne t'a pas révélées. Et ce sont les choses-là qu'il n'a pas révélées qui nous troublent quand ça arrive, qui nous dépassent quand ça arrive. Pasteur, il y a 2 jours, je pleurais sérieusement à la maison. Finalement, après 2 semaines et demie ou 3 semaines, je me suis dit non, j'essaie un peu de voir là où on a mis les habits. Là, que nous faisons la boue, et que nous et kota mai. Alléluia. Nous sommes et kota mai, nous sommes et zate. Je me suis retrouvé car on a 2 vestes. Alléluia. Mais j'ai dit, Dieu est amour. Il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Je sens ça remonte en moi. Le temps qui est en train de traverser, c'est le temps des ténèbres. Mais il y aura un temps, les ténèbres vont s'arrêter. Ça sera le temps où Dieu va entrer en jeu et les choses vont changer pour toi. Parce que le but de Dieu, que ton histoire puisse changer. Non seulement que ton histoire change, mais là où il t'amène, il veut qu'il change aussi l'histoire. Tout le monde dans cette ville savait qu'une fois que le serpent t'a piqué, c'est fini. C'était ça l'histoire. Il y avait même une liste de gens. On pouvait dire, tel, quand il a été mordu, il est parti. Tel, il a été mordu, il est parti. Tel, il est parti. Mais ce jour-là, quand c'est arrivé le temps de Paul, l'histoire a changé. Alléluia. L'histoire a changé. Qui croit que son histoire est en train de changer en 2023? C'est le temps où l'histoire est en train de changer. L'île de Malte, Malte qui signifie la ville de miel, mais il y avait la loi, il y avait les serpents qui faisaient la loi. Il fallait que Dieu vienne par Paul pour que la loi soit changée, que l'histoire puisse changer. Si Dieu t'a déjà pointé, bien-aimé, c'est toi. Arrête de te poser la question, pourquoi, jusqu'à quand? Non, Nzamba sachio musapi mutako tengi msa musapi na zate. Ezaka kande yo akosala makambo minene par rapport na. Dieu t'a choisi, il t'a choisi. C'est par toi que ces choses vont arriver. Et j'aime bien, il dit dans le livre de Exode, il dit à Moïse, c'est par toi que je vais accomplir des choses terribles. Ceux qui t'environnent vont reconnaître ça. Ha, bien-aimé. C'est Moïse que Dieu a choisi. Et ce matin, je crois que c'est toi aussi que Dieu a choisi. Comme il t'appelle à des grandes choses, c'est pourquoi il y a Makamuka, il y a Minine, Minine, et puis au Komela. Alléluia. Donc, si on dit que Moïse est élu, il y a beaucoup de monde qui la terre. Il y a Minine, Zoya. Alléluia. L'élévation des amis de Daniel devait passer par quoi? La fournaise. Alléluia. La fournaise. Non, nous prions pour ce qui est arrivé, nous prions pour ce qui arrive, nous prions aussi pour ce qui doit arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu attend de nous cette année, c'est une vie de prière intense. Alléluia. C'est une vie de prière intense. C'est une présence et une obéissance totale à la parole de Dieu. Quand on a dit, nous avons prière, fais un effort, respecte,
sois en prière. Alléluia. Qu'on ne te force pas. Qu'on ne te supplie pas. Pour... Non, il faut que tu sois là. Non, il faut prier. Frères et sœurs dans le Seigneur, les ténèbres, la fin des ténèbres, c'est une promesse de la part de Dieu pour toi. Dieu veut que ça s'arrête, mais Dieu veut ta participation. Tu as une part de responsabilité. Si tu ne le fais pas, c'est toi. Quelqu'un est tenté de se dire, mais j'ai prié, mais la chose est arrivée. Oui, tu peux prier. Ce n'est pas dit que non, parce que tu as prié et que tu es avec Dieu, tu es exempté de la souffrance. Non, souffrance est royakak. Alléluia. Souffrance est royakak. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, vous savez pourquoi souffrance est royakak? Si vous lisez Romains chapitre 8, à partir du verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Il commence à énumérer les choses. Ce n'est ni la nudité. Donc, moi, il y a un mot, diable a zo salango pour a séparé yo na bolingo ya zambe. Pour mitou na question le ah, na yo mouto sambe la. Alléluia. Tu te rappelles quand la maison a brûlé, n'est-ce pas? Bah, na yo mouto sambe la. Alléluia. Il pense que non, parce que zo sambe la, malheur est goyate. Et koyaka. Dieu va se servir na malheur wana pour glorifier son nom. Il dit, ni la nudité, ni la famine, ni les démons, ni les esprits, ni les autorités, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Donc cette année, sache-le que chaque difficulté qui se présente devant toi, c'est pour défaire de toi. Plus que vainqueur. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 7 jusqu'au verset 10, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert ça avec Dieu. Il est dit ceci, alors que quand les ennemis d'Israël ont appris qu'Israël se ressemble. Alléluia. Quand les sorciers vont apprendre qu'il y aura 3 jours en ces lieux, que vous allez vous retrouver dans la prière, ou quand les sorciers ont appris que non, tu as instauré le culte chez toi à la maison la nuit, quand vous ressemblez avec la famille, la Bible dit, quand ils ont appris ça, ils se sont levés. Ils se sont levés pour faire quoi? Pour disperser. Parce que Alingaga jamais ignore. L'union fait la force. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël, à son tour, quand il a appris qu'ils se sont levés contre eux, il est allé voir les sacrificateurs Élie. Ils ont posé le problème à Élie. Ils ont demandé à Élie. Qu'est-ce qu'ils sont allés demander à Élie, mon frère? Ils sont allés demander la prière. Il dit, Élie, prie pour nous. Parle à ton Dieu pour nous. Sûrement, ton Dieu va nous délivrer. Alléluia. Sûrement ton Dieu va nous délivrer. Parce que pendant que je parlais au premier, que Dieu m'a donné une révélation. Quand les gens viennent te voir, prie pour nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il veut prier, et Samuel plutôt, pour prier, qu'est-ce que Samuel va faire? Il va prendre un agneau de lait. Est-ce que tu peux comprendre que désormais, quand tu viens voir le pasteur pour la prière, il faut amener aussi un sacrifice? Élie veut prier, il prend un sacrifice. La Bible dit, un agneau de lait. Oh, tous vous savez qu'un agneau de lait, quand tu l'arraches de sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer, il y a collé là, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi prophétiquement? Il faut un sacrifice. Le jour où tu vas manquer la parole, le sacrifice va crier à ta place. Ça va crier à ta place. Samuel va faire ce sacrifice-là à l'Éternel. Et ce que j'aime, c'est-à-dire qu'au moment où les Philistins s'élèvent pour attaquer, c'est au même moment aussi qu'il est en train d'offrir. Et la Bible dit, à ce moment-là, quand il est en train d'offrir,
il y a eu des tonnerres dans les camps des ennemis. Alléluia. J'ai gêné, j'ai prié. Les ténèbres continuent. Je veux que les ténèbres s'arrêtent. Il faut faire un sacrifice. C'est au même moment qu'ils faisaient les sacrifices, c'est au même moment qu'ils se sont levés. Et quelque chose s'est passé dans les camps des ennemis. Alléluia. Tu veux que quelque chose se passe aussi dans les camps de tes ennemis? Il faut avoir cette vie-là d'offrir. Il faut toujours un sacrifice. Et ça va marcher. Alléluia. Et je termine avec ce verset. Dans Proverbes chapitre 18, le verset 16. Je ne sais pas si on peut lire ça pour nous. Proverbes 18, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Proverbes chapitre 18, le 16e verset. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Amen. Le présent d'un homme lui élargisse la voie. C'est-à-dire que j'ai la foi, mais je suis sur une voie, et sa voie est à caca, et ça le rôle à sentier. Je ne sais pas aller vite, mais on te dit que les sacrifices d'un homme lui élargissent la voie. Ça te donne la possibilité d'aller plus vite. Donc les sacrifices te donnent la vitesse, te donnent la possibilité d'aller plus vite. Et on termine en disant, ça te donne accès. Alléluia. Donc il y a certaines choses qui étaient fermées, qui étaient derrière la porte. Cette porte n'arrive pas à s'ouvrir. En faisant les sacrifices, la porte va s'ouvrir. Dans d'autres versions, on dit même que ça te donne accès auprès du grand. Donc il y a certaines personnes que tu veux rencontrer. Bakangela yo porte. Tu as vu des relations. Personne ne veut t'amener à accéder là-dessus. Il y a certaines fonctions. Bakangela yo porte. Tu ne sais pas accéder. Mais ce matin, Dieu te dit, les sacrifices vont faire que non, cette porte peut s'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la poste Mogo élevé ce matin en ces lieux? Il y a quelqu'un qui aspire à aller plus loin ce matin en ces lieux? Il y a quelqu'un qui commence à voir clair dans sa vie, qui ne vivait pas la vitesse, mais qui comprend que maintenant, Makamouné fait sa vitesse ce matin. Si c'est toi, comprends une seule chose, tu dois avoir la foi en Dieu. Cette foi te permettra d'avoir les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Alléluia. Et quand tu vois que ces choses-là tardent, ça n'arrive pas, ça te résiste, tu ajoutes la prière et le jeûne. Alléluia. Alors que tu as ajouté la prière et le jeûne, mais tu ne vois encore rien. Les choses continuent à te résister. La porte reste toujours fermée. Les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices. Je termine par ce petit témoignage. Un jour, un homme cherchait la porte. Il ne trouvait pas cette porte-là. La famille s'est cotisée. On lui a donné 6 000 $ qu'il fasse les démarches pour voyager. Il a tout fait, ça ne marchait pas. Il a vu tout le monde, ça ne marchait pas. On lui a refusé le visa. Un jour, on lui parle de papa Adinabal. On l'amène chez papa Adinabal. Il arrive là-bas, il explique son problème. Pasteur, papa le regarde comme ça, il lui dit, « Moana, Kende, Lobby, Yarana sacrifice, apaisse même dans mon temps. Yarana 3 000 $. » Le gars s'est dit, « Ah, c'est que j'ai comme argent. » Après que Basiba escroqué, je suis resté avec 3 000. Et lui me demande 3 000. Il dit, Kende Yakana 3 000. Il rentre. Tu sais, il y a un combat comme ça. Il a combattu dans son cœur. Et finalement, il décide de venir avec les 3 000. Il vient avec les 3 000. On l'annonce. Il voit papa Adinabal. Il est là. Moi, na oye, oye na yango. Il prend les 3 000, pasteur. Il donne. Quand il donne les 3 000, papa lui dit, allez, Kende, Esili. Ah, papa, au samel à tate, au tchata lobo kote, yo yo kakate, Kende. Finalement, il est parti. Il rentre. Un mois après, il trouve une ouverture. Il va se retrouver à Abidjan.
Il se retrouve dans Abidjan. Il est dans une église. Dieu lui dit, il faut commencer à évangéliser. Et Dieu lui donne même l'endroit où il doit aller évangéliser. Il va là-bas, il va commencer à évangéliser. C'était une famille où il y a des filles qui ont des vies très compliquées. Il évangélise, il y a une qui accepte. Il dit, bon, on va organiser 3 jours, il y a veillée de prière, des nuits de prière. Et finalement, la famille se met d'accord. Voilà que il y a l'une des sœurs qui est vraiment tête en l'air là, mais qui sort avec un blanc. On va parler au blanc, non, je vais faire 3 jours, je ne sors pas. Nous avons des moments de prière chez nous à la maison Mundela, nous avons aussi engagé ceux qui n'ont pas participé. Le blanc vient. Le premier jour, prière, pas. Un message sort. Un problème lié à ces blancs-là qui n'avait pas dit à tout le monde. On révèle ça. On lui dit, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. On prie pour lui. On dit, demain, il y a une lettre qui va arriver. On va encore te reconfirmer. Donc, les gars, il était déjà sur le point de repartir. Il rentre demain comme ça, paf, net, la lettre tombe. Il dit, non, appelez-moi ce monsieur-là. On l'appelle, on lui dit, non, il a besoin de toi, on donne l'adresse. Il prend l'adresse, il vient. Il arrive, Naguerit. Je donne un exemple, hein, monsieur Pascal Katang. Tu vois, quand tu ne connais pas la personne, si tu as un problème d'éducation, c'est avec légèreté, hein, dit, non, look, monsieur Katang. Tu sais, les gens le regardent comme ça, ils disent, oh, tu cherches qui? Oh, monsieur Katang, bien sûr que tu le connais. Il est dans le sambo. Tu sais, quand tu as prié pour quelqu'un, prier, tout ça. Ah bon? Toi, c'est qui? Il donne son nom. Il t'attend. Oh, il trouve ça normal, on l'amène, on le fait asseoir. Il voit le monsieur qui sort. Alors, le monsieur va se présenter. C'était l'ambassadeur Air France. Alléluia. C'était l'ambassadeur Air France. Alors, on lui pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous imaginez? Il ferme d'abord les yeux et il entend une voix. Yozana Kondimate. Kende! Cette voix-là de Kinshasa, de Papa Nadine Abal, bien-aimé dans le Seigneur, la foi est une arme non conventionnelle. On lui pose la question. Vous avez un passeport? Abinazal Ngobi tout de suite va chercher. Il sort. Il va chercher le passeport. Il rentre. Papa, Bayako Tchelaye caché à visa Nandaku. Il y a qu'un dans l'ambassade. Dieu, il est fidèle avec les fidèles. Que rien ne t'amène à changer d'avis. Alléluia. Tika komitala na yomoko. Tika komimise. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Il t'a donné la promesse que les ténèbres ne vont pas continuer à régner. C'est lui, celle qui va arrêter que non, ténèbres et salali soussouté. Ce n'est pas ton problème, mais ce que Dieu attend de toi, c'est la prière. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons juste prendre un petit moment dans la prière. Juste 5 minutes de prière. Je veux que tu réalises que 2023, c'est l'année du règne de Dieu et que les ténèbres doivent s'arrêter, que les choses vont changer, que ton histoire est en train de changer. Ce n'est pas une affaire de demain, c'est une affaire d'aujourd'hui. Alors parle à Dieu. Il y a un cantique là que j'aime bien, de Mama Lor Mbongo. Qu'est-ce qu'il dit dans ce cantique-là? Pesanga makasi, yagozela. Je veux que la parole de ce chant ce matin, yangondezala lo sambo na yo, nzamba peso makasi yagozela bilaka. Alléluia. Otale la susu mokilite, otale la nde nzambe.
juste pendant 5 à 6 ou 10 minutes avec ces cantiques-là. Pendant que tu es tenté de chanter, à un moment donné, tu répands ton cœur devant Dieu. Tu dis à Nzambe Pesanga Makasi, Yakose la Bilaka. Dozo kende yawe nazo mona kembo oyo ndemo bembo bembo alitomba pesa na makase aboyi na kweya na bonde lyoko tika ngate Yesu poseza na komba oni manande eko bota solo bambuma Oni mananga Yesu eko bota solo bisala asendise makasi opesa kana batoma ataba boloko aibina koloka pesa ka makasi pesa ka makoki pesa ka mayele yawe Cara sale la yo Yahweh Isanga makoki Isanga mayele Cara sale la yo Yahweh Isanga makoki Isanga mayele Yahweh, Isanga makasi, Isanga makasi, Yahweh, Isanga makoki, Yahweh, Isanga mayele, Salila yo, Gana salila yo, Yesu nanga, Isanga makasi, Isanga makoki, Yahweh, Isanga mayele, Gana salila yo, Oyebi motema, Oyebi motema. Oyebi babato Esika na suki Wala deyo bati Esenga makasi Esenga makoki Esenga mayele Kana sale na Oyebi motema Oyebi motema Oyebi babato Esika na suki Wana deyo bati Nasengi makasi Nasengi makoki Pesanga mayele Kana salila Pesanga makasi Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Kana salila Pesanga makasi Pesanga makoki, Yahweh. Pesanga mayele, Nana salela. Commence à prier, demande Nzambe makasi na ye. Apesa yo makasi. Là où tu étais faible, que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus. Oui, commence à prier. Ozo senge panzambe ebisa enkolo pesanga makasi Nga imoko na kokokate Pesanga makasi na tinete na telema Pesanga makasi na tinete na kende liboso Oui nous prions au nom de Jésus Ebisa enkolo Pesanga makasi ya kokende liboso Lobali boson na Nzambe Amen
pesanga wa kokini pesanga wa yele Yahweh kana salela na seki pesanga makasi Yahweh pesanga makoki Yahweh pesanga ma yele yebisa e pesanga imakasi kana salela na Yesu pesanga makasi pesanga makoki pesanga ma yele Oye mi mabanzo, yesika na suki, volandeyo banzi. Yoka bien-aimé, on nous a dit que les ténèbres ne régneront jamais. Nalingi osambela, ozo kende kobo ya ténèbres nyonso kati na vina yo. Pembeni na yo na mosala ezana na ndako regne ya ténèbres esuka etelema na tango zo sambela ozobeta maboko ozobo ya regne nyonso ya ténèbres na vina yo oui prie bien aimé Ozobo ya regne nyonso atenebe na vina yo. Oui, prie bien-aimé. Je refuse le règne des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas. Je refuse le règne des ténèbres dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Refuse-le dans la prière. Refuse le règne des ténèbres. Refuse-le dans la prière. Oui, refuse-le. Pendant que tu pries, le règne des ténèbres quitte ta vie. Pendant que tu pries, le règne des ténèbres dégage de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, que le règne des ténèbres. Les reins des ténèbres, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de... Écoutez, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant demander les reins de Dieu, les reins de notre Seigneur Jésus dans notre vie. Qu'il impose son règne. Le règne de Dieu nous vient avec la restauration, avec la bénédiction. Avec la récupération, avec tous les miracles. Voilà pourquoi nous allons maintenant prier. Pendant que tu pries, tu acclames, tu demandes le règne de Dieu dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Oui, élève la voix, demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Seigneur, que ton règne se manifeste. Que ton règne vienne. Merci Jésus. Merci pour ton règne dans nos maisons. Merci pour ton règne dans nos vies. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur pour la parole de ce matin. Amen, amen. Sans plus tarder, nous voulons passer au moment des offrandes. Le moment des offrandes, c'est le moment des bénédictions. Amen, amen. Dis celui qui est à tes côtés, c'est le moment des offrandes. Dis-lui, nous allons offrir maintenant. Voilà, nous allons commencer avec notre opération achat parcelle.
C'est le moment où nous allons soutenir la vision. Nous allons contribuer avec beaucoup d'argent pour notre opération achat parcelle. Tu as $500, tu as $300, $100, 50, 20, 10, $5. Nous allons les faire avec joie. Même l'équivalent en francs congolais, nous allons donner. Et nous passons rapidement pour gagner notre temps. Tous ceux qui ont coupé ça va offrir la biso, achat parcelle. Nous allons maintenant donner nos offrandes ordinaires. Et les paniers que tient Pasteur Beris, c'est pour recevoir toutes les dîmes. Les autres paniers sont pour les offrandes. Nous allons passer avec joie, nous offrons pour la gloire de Dieu. Pendant que la chorale est en train de chanter, Tolingi Topambola, Mombo Nanzambe, comme on avait promis, nous allons bénir le pasteur Jimmy qui a terminé aujourd'hui. Nous amenons beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent. C'est une façon d'investir dans son ministère et Dieu va nous bénir. Pendant qu'on nous amène les paniers, nous allons les faire avec joie. Le service de protocole, si on peut nous aider avec les paniers. Je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance.
Nous allons maintenant accueillir tous les bien-aimés qui ont accepté de prier avec nous pour la première fois. Si vous êtes là ce matin, veuillez juste lever votre main et nous sommes dans la joie de vous recevoir au milieu de nous. C'est la première fois de prier avec nous là où vous êtes. Veuillez vous manifester. Amen, amen. Il n'y a pas de nouveau venu ce matin. Que Dieu soit loué. Je sais que la pluie a empêché beaucoup de gens. Amen, amen. Rapidement, nous donnons les quelques communiqués. Nous disons que les affermissements continuent tous les jours impairs. Vous êtes là, vous voulez servir Dieu parmi nous. Vous devez commencer par ces enseignements de base. Et c'est tous les jours impairs de 17h à 18h. Vous êtes intéressé, veuillez nous voir juste après culte. Nous allons vous orienter. À la dévotion matinale, nous allons passer une semaine spéciale, une semaine exceptionnelle. Amen, amen. Ça sera spécial. Pourquoi? Parce que nous serons encadrés dans la parole et dans la prière par notre papa. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Déjà à partir de demain lundi jusqu'à vendredi, nous aurons dévotion matinale à partir de 5h45 jusqu'à 7h. Et c'est notre papa qui va nous prêcher et nous conduire dans la prière avec le thème « L'impact du règne de Dieu ». Amen, amen. Je croyais que tu allais faire plus que ça lorsque nous disons que notre papa va venir nous encadrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que les tracts peuvent venir avec retard. Si pas aujourd'hui, même demain, nous allons vous distribuer parce que nous allons passer une semaine vraiment bénie. Et n'oubliez pas que chaque midi, de lundi au vendredi, nous avons prière d'intercession que nous appelons midi pour Christ. Nous prions le matin, à midi, nous nous retrouvons encore, nous prions. Amen, amen. Et le programme pour les cultes, le mardi et le jeudi, nous serons là de 16h30 à 19h. Et nous serons bénis par les enseignements qui nous seront donnés par l'apôtre Jackie qui est là ce matin, sous le thème « Que ton règne vienne sur le chemin de mon héritage, de Bethel à Peniel ». Amen, amen. Ce sont des très, très bons enseignements. Venez écouter et votre vie va changer. Amen. Mardi, nous serons là à partir déjà de 16h30. Le jeudi, nous allons encore nous retrouver pour passer ces bons moments avec l'homme de Dieu. Et le vendredi, nous aurons nuit de prière avec tous les ouvriers. Et le même vendredi, à 16h, il y aura réunion avec toutes les femmes. Et samedi, ça sera l'évangélisation et la jeunesse. Je crois que tous les bien-aimés de ce département connaissent bien les programmes. Et nous rappelons aussi toute l'Église que le mois de mars, nous serons bénis par une grande action de rencontre de tous les couples fiancés, les couples mariés. Amen, amen. Je crois que nous avons notre bâche qui est déjà là dehors. Et nous serons bénis par la présence du couple Kondo Wakondo. Ça sera samedi le 25 mars à partir de 15h. Et nous terminons par ces communiqués de mariage. Je crois que toute l'Église connaît que nous nous préparons pour bénir un grand mariage de notre bien-aimé Charlie Kabongo et sa fiancée Marie-Vézantine Botombe. Le mariage aura lieu le dimanche le 19 mars ici à l'Église. Et on nous informe que vendredi le 17, ça sera le mariage civil. Amen, amen. Voilà pourquoi nous demandons à toute l'Église, s'il vous plaît, dans chaque département, nous devons nous organiser pour bénir ces grands mariages. N'importe quel département, nous devons faire nos contributions, notre organisation, parce que ce mariage, c'est une grande bénédiction pour l'Église. Ce sont les deux serviteurs, les deux ouvriers qui sont au milieu de nous. Amen, amen. Nous terminons avec cette action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir soutenu. Le diable vient pour décourager nos projets, tandis que l'Éternel est là pour nous soutenir à réaliser nos rêves. Il est celui qui commence par un et
finit par multiplier par plusieurs. Il est celui qui bénit puissamment. Je suis avec Dieu et je ferai des exploits parce que celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Merci, Seigneur Jésus. C'est signé un frère de l'Église qui n'a pas donné son nom. Nous acclamons le Seigneur pour cette action de grâce. Que Dieu les bénisse abondamment là où il est et c'est accompagné d'un sacrifice d'action de grâce. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Nous allons nous lever pour terminer parce que après ici, il y a le troisième culte, un culte d'intercession. Si tu veux aussi bénéficier de ces moments, ne pars pas. Tu peux rester afin de pouvoir passer ces bons moments de prière avec les autres. Nous allons juste lever nos mains pour recevoir cette bénédiction. Et je vais inviter le pasteur Jimmy. Il va venir bénir l'église. Levons nos mains pour recevoir la bénédiction. Comme un sceau dans nos vies, que cette parole produise des fruits dignes de toi. Amène-nous, Seigneur, dans la profondeur, qu'on devient profond avec toi. Que ça reste gravé en nous, ô Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la semaine qui s'ouvre devant nous. Accepte de marcher devant nous comme un feu dévorant derrière, comme un appui. Et que l'ombre de ta main qui n'a jamais connu de variation, Seigneur, soit avec nous. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te faisons lever solennel, Seigneur, que l'année ne touchera pas sa fin, ô Dieu. Nous allons témoigner ta grandeur, ta puissance et ta visitation. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Et d'un commun accord, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons laisser d'abord la place aux hommes de Dieu, aux pasteurs qui vont d'abord sortir.